Raconte-moi ta journée. Chut, je regarde, s'il te plaît. Allez, raconte-moi ta journée. Bah, qu'est-ce que tu veux que je sache quoi de ma journée? Bah, je sais pas, tu t'es fait écraser par une voiture. Bah, non, juste, je suis allé au boulot et je suis rentré, voilà, c'est tout. T'as fait quoi à ton boulot? Ah, mais tu vois pas que je suis en train de regarder la télé, s'il te plaît, j'ai envie de me poser. Avec toi, c'est toujours la même chose. Filmer, expérience exigée. Ah, il est déjà midi là. Faut que peut-être Mélan a oublié. Je l'appelle donc. Allô Mélan? Ouais, bonjour. Mais toi tu es où? Tu as oublié? On devait dîner tout ce midi ensemble. Toi tu es où? D'accord, tu n'es pas loin alors. Moi, je t'attends alors. C'est déjà prêt, hein, surtout, c'est déjà prêt. D'accord. Salut. Salut, salut. Ça va? Okay. Tu m'assois? Ouais, tu peux t'asseoir. Tu ok, merci. Je suis un peu désolé pour le retard. Quoi. Ah, c'est pas grave. Je t'attendais, ouais. Donc je voulais m'assurer tout juste. Sinon, okay. Ça va? Non, ça va, ça va. Ah. Bon, pour toi aussi, voilà. Bon, désolé pour le retard. D'accord, d'accord, pas de soucis. Ok. C'est okay. Là que tu peux déjà manger. Hein. Merci. Délicieux repas, on a mangé. Bon appétit, madame. Merci à toi aussi. D'accord. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, mon frère. Mais il y a trop de sel, quoi. Moi, je mange pas le sel. Il y a trop de sel, mon moi, frère. Moi, j'aime quand c'est un c'est peu désolé, salé. Hein. Tu m'excuses alors. Hein. Si désolé, mange d'accord, pas du sel. C'est pas grave. Hein. Mange pas le sel, quoi. Peux, ça me fait mal au ventre. Tu peux prendre des fruits ou non, merci, merci. T'inquiète. À la c'est prochaine pas grave. Fois, je vais me à la prochaine. D'accord. Merci, mon frère. Tu m'excuses. Merci hein. Pour ton dîner. D'accord, merci. D'accord. Alors, je suis désolé. Hein. Lui, il n'aime pas du sel. Moi, j'aime quand c'est un peu salé là. Bon, je suis pas sûr. Hein. Donc, mais je pense que la prochaine fois, je vais me rattraper. Que c'est pas grave. Bonjour Samia, ça va? Ça va et toi? Ça fait longtemps, ça me fait plaisir. Ah ouais, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Alors ton voyage? Ben ça va, ça s'est bien passé. Ouais? Ouais, ouais. Et alors qu'est-ce que tu as fait là-bas? Ben je suis allée visiter la Statue de la Liberté. Trop bien! Ouais, incroyable. J'aurais jamais imaginé partir aux États-Unis comme ça. C'était super intéressant. Ah ben, super, ouais. On va me donner 2 minutes. Allô? Oui, ça va et toi? Écoute, je te rappelle. 2 petites minutes et je te rappelle. Bye. Désolée. Non, c'est pas grave. Alors, tu me disais? Bah, je suis allée voir la Statue de la Liberté. Ensuite, on était sur l'avenue, je me souviens plus, où il y a, tu sais, les empreintes des artistes. Oui. Je me souviens plus, oui. Voilà, on la voit souvent. Désolée. Allô? Écoute, je peux pas te parler. Rappelle-moi plus tard, s'il te plaît. Allez. Désolée. T'es beaucoup sollicitée, hein? Ah ouais, vachement. Bon, tu disais. Donc, du coup, je suis allée sur cette avenue. La Statue de la Liberté. Après, je suis allée sur cette avenue où il y a les empreintes des artistes. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a plein de gens déguisés. Enfin, j'ai fait plein de photos, je te les montrerai quand tu viendras à la maison à l'occasion. Et voilà, vraiment. Allô? Je ne peux pas te parler pour le moment, donc je te rappellerai plus tard. Bye. Bon, écoute, franchement, moi je suis venue pour te parler, ça me saoule, ça me saoule. Les gens qui répondent tout le temps au téléphone, enfin, je te comprends pas, je supporte pas, vraiment, je ne supporte pas. Bon, mais écoute, tant pis. Écoute, hein. On t'as on besoin s'appelle. D'autres vacances, hein. Bon ben j'espère que t'es content, ma copine est partie. Vous vous rendez compte là, on peut plus continuer comme ça. C'est quoi ces tomates? Tu les as trouvées où? Elles viennent d'où? Et toi là, pourquoi des pommes? Est-ce que tu sais où elles sont produites? Est-ce que t'as conscience? En 2050 on sera où? Il faut vraiment se poser des questions, il faut vraiment commencer à réfléchir, il faut arrêter tout ça. C'est plus possible, on va dans la mauvaise direction. Vous en pensez quoi vous? Moi je m'en fous. Je comprends rien. Depuis ce temps je vous en parle et voilà, j'ai même pas pu manger.
Alors, coucou ma fille, comment tu trouves le repas? Très bon. C'est vrai, t'as pas l'habitude de manger des tomates? Oui, je sais. Alors, comment ça se fait que tu les manges aujourd'hui? Parce que j'ai quelque chose à t'annoncer, mais tu t'énerves pas. Hein? Ah ben, je vais essayer. J'ai une mauvaise note. Ah bon? Oui. Pourquoi? Enfin, combien tu as eu? 0/20. Combien? 0/20. Oh, mais c'est pas possible, comment ça se fait? J'ai pas révisé. Oh non, pourquoi tu as pas révisé? Parce que j'étais avec ma copine. Mais tu m'as dit que tu connaissais ta leçon par cœur. Bon, voilà. Oh non!